Hé gamin, t'es sûr que t'es la bonne classe? Enfin, j'ai entendu dire que les monstres prennent des cours au sous-sol. Ne te sentirais pas plus à l'aise là-bas? Salut! Désolée de cette intrusion, mais je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer à quel point tes cheveux sont beaux. Tu dois vraiment bien t'en occuper. Ah, oui, je le fais. J'utilise un shampoing spécial et je les brosse 2 fois par jour. Ça doit être très important pour toi. C'est vraiment dommage que ces jolis cheveux soient attachés à une tête immonde. Oh! Pourquoi fais-tu cette tête? Aurais-tu peur? Je ne peux pas croire ce que tu as fait! Je vais le dire Vas-y, fais-le. Je suis sûre qu'ils aimeraient entendre toutes les discriminations que tu fais à l'égard du prince des monstres. En fait, dois-je simplement dire au roi ce que tu as fait? Ou à la reine? Elle est beaucoup plus effrayante. En tout cas, le plus que je veux obtenir est la suspension. Et, oh, toutes ces punitions gratuites pour concentrer mes pensées sur toi. C'est juste des cheveux? Est-ce vraiment utile de m'énerver? Tu es un monstre! Merci. C'est un compliment. Bien mieux que d'être traité d'un de ces déchets d'humains comme toi. Déchet! Idiote! Je vais tout Bien que j'apprécie le geste, je ne pense pas que ça nous aidera pour longtemps. Et tu vas encore avoir des problèmes. C'est bon, Asie. Le professeur m'adore. D'ailleurs, l'important est qu'il ne nous dérange plus, même si cela veut dire qu'il nous craigne. Kara, non.